Alors depuis quelques années, associations de défense, campagnes de sensibilisation, les médias, on fait énormément pour les animaux. Les droits de l'animal, vous ne croyez pas que comme le paradis, ça reste une belle espérance ? Je crois que ça reste une belle espérance, mais qu'il faudrait maintenant militer pour les droits des animaux. Et que nous dépassions le stade de la défense pure et simple des animaux, qui est déjà quelque chose de grand et de très louable, pour arriver à la défense des droits de l'animal. Et que des militants de la cause animale s'y mettent, fassent la chasse aux signatures, trouvent les signatures d'écrivains prêts à les soutenir et même à écrire des textes dans ce sens. Moi, je serais toute prête à le faire. Du point de vue de la nature, il y a quelque chose de positif. On ne peut plus la massacrer sans que les gens ne s'en aperçoivent. C'est un progrès indéniable. Tout le monde est en alerte. Cela dit, les faculté de massacre de la nature, des arbres, des animaux, de l'air, sont intactes. Il y a aussi l'infiniment proche, l'animal de compagnie dont vous rappelez souvent les vertus bénéfiques. Et pourtant, vous n'avez ni chien ni chat. Les niches dans la prairie, ce sont des symboles ou des souvenirs ? Non, ce sont des souvenirs. J'avais un chien à moi et à mon mari. Et le gardien avait un chien superbe, un chien loup. Et puis, j'ai pris conscience de l'impossibilité d'avoir un chien à soi si on ne s'en occupe pas soi-même. Et si votre vie vous amène à bouger beaucoup, votre chien n'est plus votre chien. Il est peut-être votre chien sur le papier, mais il n'est plus votre chien parce que vous n'avez pas le temps nécessaire à lui accorder. Et je me suis dit qu'aussi longtemps que je ne pourrais pas rester 8 jours de plus dans le même endroit où je serais en avion entre 3 villes, entre Paris et Marseille et ici, je n'aurais pas de chien, mais j'ai gardé les niches comme souvenir de ces chiens.